j'avoue. Ah, c'est la partie préférée de mon réchauffement, je sais. C'est... absolument aucune attente. Je suis un petit peu énervée. Je me dis, oh mon Dieu, ça va être quelque chose. Que moi, j'espère que je vais dire la bonne chose, que je vais faire la bonne chose. J'espère que je pleurerai pas trop. Je pense que c'est un petit peu un dernier coup d'envoi. Et puis, c'est de nous sécuriser que tout va bien aller. Puis, Laurier est très capable de faire ça. OK, merci. Donc, mesdames et messieurs, sortez le temps de vivre et temps d'histoire, s'il vous plaît. On va commencer avec ça. Premièrement, je suis très fier de la communauté à laquelle j'appartiens. Et la communauté francophone de l'Alberta est une communauté très proche et qui a beaucoup de vie. Et je crois que le chant choral, c'est quelque chose qui est vraiment très actuel. Surtout maintenant qu'on chante de la musique de chez nous et qu'on a du monde qui écrivent de la musique, qui compose de la musique pour nous, surtout France Levasseur-Ouinette. Je pense que dans une communauté, on a tous chacun notre rôle. Et puis moi, un de mes rôles, c'est d'être un petit peu pionnier comme mes parents, dans le sens que faut que quelqu'un ose faire certaines choses. Les gens vont dire, ah, oh, ben moi, j'ose pas, je peux pas écrire de la musique ou je peux pas écrire de la poésie. Ou... Mais je pense qu'il faut oser, il faut se dire oui. Puis si on ne le fait pas, qui va faire la musique d'ici? Qui va faire l'histoire d'ici? Saint-Jean, c'est une chorale francophone. Même les anglophones prennent une décision en entrant à la chorale Saint-Jean, qui sont francophones pendant qu'ils sont dans la chorale Saint-Jean. Je pense qu'une communauté, une culture, c'est des manières de faire des choses. Et puis, si on ne s'exprime pas, si on ne les développe pas, on les perd, ça. On perd une langue facilement, on perd une culture facilement, on s'identifie à un groupe majoritaire. Nous, on vit dans une mer d'anglophones avec des gens qui ont toute une autre culture, d'autres valeurs, d'autres façons d'être, une autre langue. Et puis, si on ne s'affirme pas avec notre langue, notre culture, à ce moment-là, ça serait facile de disparaître. Une des raisons pourquoi j'aime être avec la chorale, c'est parce que, numéro un, j'aime beaucoup la musique. La musique me fait vivre, la musique, c'est un baume pour moi. Et puis, numéro deux, c'est une façon de continuer à vivre en français. Donc, mesdames et messieurs, nous partons lundi matin. Maintenant, nous allons aller là et leur montrer ce qu'est la communauté franco-albertaine, mais aussi comme ambassadeur et témoin de la communauté francophone de l'Alberta. Et puis, je peux vous dire qu'il y en a qui savent qu'on est là, mais il y en a beaucoup qui ne savent pas du tout qu'on existe.
Donc, montrons-leur le bon visage et la bonne voix de notre communauté et de qui nous sommes. Honnêtement, je n'ai pas encore rencontré le cœur de la cité. J'ai rencontré quelques personnes clés, la directrice Carole Bellavance, qui est aussi co-présidente du comité musical du 400e. Allô, Carole! Comment vas-tu? Ça va très bien. Toi? Fais bon voyage. Oui, très bon voyage. Bonjour, Laurier, c'est Guy, finalement, on se rencontre. Visage sur cette voix. Et c'est elle que j'ai appelée premièrement pour lui demander si nous pouvions participer au grand concert du 400e. Je lui ai envoyé un CD, puis notre trousse de presse, puis tout de suite, elle a dit oui, il faut absolument que vous veniez. Dès le départ, décider d'inclure une des pièces du répertoire de la chorale Saint-Jean dans le répertoire du Grand Chœur du concert au Colisée le 18 juillet. Et naturellement, comme Carole est notre directrice également aussi, on s'est dit, est-ce qu'on peut aller plus loin? Alors, comme il y avait des concerts périphériques qui se déroulaient en prévision du grand concert, et que ce soir, on est le 14 juillet, alors on dit, pourquoi pas faire un événement conjoint? Et ce que j'aime tellement quand on va au Québec, c'est qu'on peut, baigner dans la majorité. Et on peut vraiment faire partie, pour un petit moment, de ce peuple-là. En Alberta il y a 4 ans pour étudier, puis j'ai enseigné en Alberta, puis là, ben, je reviens au Québec avec la chorale, puis ça, je trouve c'est vraiment agréable, mais ça va vraiment me manquer parce que je déménage ici. Je savais pas qu'il y avait des Franco-Albertains, comme je suis arrivée ici, puis il y avait, ben, ici, en Alberta, puis il n'y avait pas beaucoup de choses que je connaissais par rapport à l'Ouest, puis j'ai appris à découvrir tout ça. C'est un passé que nous, les Québécois, on connaît pas par rapport à l'histoire des Franco-Albertains. Puis c'est un passé à découvrir parce que c'est une histoire vraiment très riche. France Levasseur-Ouimet nous a écrit un chant-thème pour la chorale à chanter pour le 400e anniversaire de Québec. Nous aimerions vous présenter le chant qui est le thème de notre tournée et le thème de cet échange entre nous, les Franco-Albertains, et vous, les Québécois, que nous aimons beaucoup. Je te retrouve. Je t'en sens, je m'en
Je te retrouve, c'est le thème de la tournée. Et ça veut dire je te retrouve, que nous retrouvons le Québec et les amitiés et toute l'histoire du Québec. Et les Québécois peut-être vont retrouver qu'il y a du français en Alberta, dans l'Ouest, qui est vivant. Sans borne pour la passion que les francophones ont de maintenir vive la qualité de leur langue dans un milieu. Déjà, nous, on sait qu'on est en survivance dans l'Amérique du Nord, mais c'est encore plus vrai pour des petites communautés qui réussissent malgré tout, non seulement à survivre, mais à bien vivre, à vivre, puis à enrichir également ce patrimoine francophone qui est le nôtre. J'avais une petite crainte. J'avais peur qu'on ne puisse pas capter l'attention des gens parce que je sais que c'était une foule de l'extérieur. Et puis souvent, les gens, quand ils sont à marcher, c'est festival, ils le regardent, puis ils s'en vont. T'sais. Ils disent, c'est très beau, mais tu sais, je veux dire... Nous, on est contents de la prestation. Et puis ceux du cœur qui sont venus, ils semblent être contents aussi. Donc, ce que ça veut dire au niveau de réflexion, puis de profondeur, je pense qu'il faut attendre un petit peu. Ça, tu sais, on est là à écouter, puis si ça nous plaît, on trouve ça beau, et puis tout ça, mais on revient, on y réfléchit, et puis c'est là que ça fait son travail. Pierre, il y avait un magnifique arc-en-ciel dans le ciel. J'étais comme... Je me suis dit, je pense que je suis morte, puis je suis rendue au paradis, franchement. Puis apparemment qu'il y avait une magnifique lune aussi. Alors, j'écoutais cette musique-là, j'écoutais les gens chanter ma musique, puis je regardais cette magnifique ville du Québec. C'est un bonheur absolu. Venez vous jouer avec nous. Voilà. Je dis toujours, j'ai le petit cœur francophone. Et puis, je pense que c'est qu'est-ce qui m'a été légué par mes grands-parents, mon père, ma mère, mes grands-parents. Surtout mes grands-parents sur le côté de mon père. Ils venaient du Québec, ils avaient été nés ici, puis sont arrivés en Alberta au début du 20e siècle. Et puis, il y avait une grande fierté, eux, d'être des Canadiens, Canadiens français, et puis ils croyaient peut-être pas que le Canada, c'était un pays bilingue, puis il y avait le juste part dans la communauté. Je pense qu'ils se rendaient pas compte à ce moment-là que les effets assimilateurs seraient si sérieux. On a le droit d'être différent. Puis la minorité apporte cette richesse. Si tout le monde parlait la même langue, tout le monde avait la même culture, où est le plaisir, où est le découvrir le monde avec d'autres yeux, avec d'autres façons de voir la vie? Alors, je pense que les minorités ont la responsabilité d'apporter cette richesse-là. Alors, chaque choriste du Cœur de la Cité, choisissez-vous un choriste de la chorale Saint-Jean et remettez le cadeau officiel. Il ne devrait pas y avoir de différence entre un francophone d'Edmonton, un francophone de Québec ou de partout, parce que Laurier l'a dit, on partage deux choses, on partage deux langues. On partage le français, puis on partage la musique. Alors, quand on partage ces deux valeurs-là, quand on est choriste, c'est tout à fait naturel d'accueillir. Et la fraternité qu'on a vue tout à l'heure, c'est une fraternité du cœur. On n'a pas besoin, il n'y a pas d'artifice dans ça. On a besoin de Pierre. Thank you.
avait fait une version un petit peu changée d'une chanson pour Laurier. Et puis on a continué à la chanter dans la ruelle, mais la vraie version qu'il nous a apprise. Et puis là, il y a des gens qui commencent à nous suivre, à nous suivre, à nous suivre. Et puis ils en redemandent, et puis... Tout à coup, on avait 200 personnes qui nous suivaient dans la rue et puis qui voulaient des rappels. Et tous les gens sortaient des restaurants, même les barmen et tout ça sortaient et puis venaient nous écouter. C'est ça qui nous fait chanter encore mieux, qui nous fait nous dépasser tout le temps. C'est cet accueil, c'est la réaction des gens. Tout est possible, tout peut changer. Nous sommes la chorale Saint-Jean de l'Alberta, du campus Saint-Jean, le campus francophone de l'Université de l'Alberta. C'est un grand plaisir pour nous d'être ici aux festivités du 400e. Et vous pouvez chanter avec nous! Okay. Oh, oui. Du pays, c'est à votre tour. Est en choc, là. Est-ce que notre semaine à Québec, est-ce que ça va être ça? Est-ce que ça va être l'ouverture du peuple québécois envers cette chorale albertaine? C'est de bon augure, que... en tout cas. Ah oui. On va aller rafraîchir les cordes. Oui, absolument. Mon clair de lune, c'est une des premières chansons que j'ai écrites. Je l'ai écrite pour ma jeune fille. On voit le personnage de l'enfant qui est debout sur la lune et puis qui voit un clair de terre. Il voit la planète et il la voit aussi fragile qu'elle puisse être, aussi belle qu'elle puisse être, vue de loin, vue de la lune. Puis, dans son cœur d'enfant, l'enfant dit, écoutez, moi, je veux avoir un avenir sur cette planète bleue. C'est aussi le rôle du poète de faire sortir ces thèmes-là et de relier les racines avec l'avenir et de montrer que vraiment, il y a une suite dans les idées. L'être humain, vraiment, a besoin de s'inspirer de ses racines pour être capable de forger son avenir. Puis c'est peut-être ça que mon clair de lune dit. Thank you.
pouvoir de la musique, c'est d'aller vraiment chercher le monde, de premièrement vivre l'expérience très, très profonde en chantant comme choriste, mais aussi de pouvoir transmettre ça à l'auditoire. Et c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Tu regardes tous ces gens-là et tu te dis, je me sens chez nous. Je me sens vraiment chez nous. Alors, oh, j'ai hâte comment tu te sens. La première fois que dans ma vie que mon micro il branlait, j'étais comme, OK, non. Au clair de la lune. Mais incroyable. Puis la réception, c'était merveilleux. Le spectacle d'aujourd'hui, c'était comme l'apogée de tout, comme tous nos efforts pour tout ça. Puis, ben pour moi, c'est mon dernier, fait que. C'est ça. Je trouve ça. Moi, je trouve ça difficile parce que. Parce que c'est terrible. OK, d'accord. Parce que pour moi, c'est terminé avec la chorale Saint-Jean pour je sais pas combien de temps. Puis, ben. Je trouve ça poche parce que c'était comme ma famille. Puis. Tu sais, j'ai appris à connaître beaucoup de personnes en tournée, puis, comme. Ils sont tellement. Comme exceptionnel, tout le monde, tu sais, c'était juste... C'est une expérience tellement enrichissante, autant comme de manière individuelle que de manière comme commune, de vivre cette expérience-là, de partager une passion, puis juste de pouvoir la vivre, tu sais, de comme... Tu croques dans ça, puis tu la vis. Tu sais, le fait de vivre la francophonie en Alberta, tu sais, c'est une expérience qui est peu commune parce que vu que j'ai grandi dans la majorité comme francophone, ben j'ai trouvé ça spécial de vivre cette expérience-là. Puis c'est vraiment quelque chose qui va me manquer énormément. Puis comme tout ce que je propose à tout le monde, c'est d'aller vivre ça au moins une fois dans sa vie. Comme, ça t'apporte tellement, c'est juste indescriptible. Mesdames et messieurs, vous ne saurez jamais jusqu'à quel point ça a été important pour nous et émouvant pour nous de venir célébrer votre 400e et de venir fêter avec vous. Parce que chez nous, des fois, on se sent un peu seul comme francophone. Chapeau, les francophones au Québec! On a eu le goût de dire, ah oui, mais les minorités vont disparaître. Ça fait plusieurs cent ans qu'on dit qu'on va disparaître, puis on est encore là, parce qu'on est allé au-delà de la survivance. On est vraiment dans une époque d'épanouissement. Et puis, le fait qu'on écrit notre histoire, qu'on fait de la musique, qu'on fait du théâtre, qu'on écrit notre littérature, c'est une preuve de ça.